de cocagne, on vient de construire un chemin de fer qui traverse la campagne entre deux rangs d'arbres verts. Sur les fils télégraphiques se sont perchés les oiseaux et les vaches mélancoliques bouchent les passages à niveau pour guetter dans le lointain le panache du premier train. Voilà qu'il arrive avec sa locomotive, on entend fort bien le voilà qui vient. Mais non, c'est le café qui bout. La gare est toute flambante de drapeaux et de lampions. Une foule impatiente attend l'inauguration. C'est pourquoi, monsieur le maire, la fanfare et les pompiers, accompagnés de la rosière, depuis ce matin sont sur pied. Comme il est midi moins le quart, ça ne fait jamais trois heures de retard. Voilà qu'il arrive avec sa locomotive, on entend fort bien le voilà qui vient. Mais non, c'est le café qui bout. Le chef de gare, comme Serane, en ne voyant rien venir, dans le téléphone, en panne, appelle à non plus finir. Tandis qu'un bel homme d'équipe, en uniforme coquet, murmure en fumant la pipe, tranquillement au bout du quai. Si le train n'est pas ici, c'est peut-être qu'il n'est pas parti. Voilà qu'il arrive avec sa locomotive, on l'entend fort bien, le voilà qui vient. Mais non, c'est le café qui bout. Les jours et les mois passèrent, mais ce qui ne passa pas, c'est le train. Car on a chose singulière, pas trouvé de mécanicien. Les gens du pays de Cocagne sont tellement bien chez eux qu'ils se font une montagne d'un voyage aventureux. Pourquoi donc prendre le train quand on a le bonheur sous la main? Tant pis s'il arrive avec sa locomotive, c'est avec plaisir qu'on verra partir. Mais tout ça pour une histoire de café qui bout. Ah là!